Qu'est-ce que tu disais? Réfléchissons, lèvons-nous comme un seul homme. Regardons les choses en face, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Qui est derrière ça? Nous avons bon crié, nous avons traité tout ce qu'on a dit, on a crié à l'international. Qui a répondu à notre secours? Qui? Que la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, que ce soit Macron, la France, tout, la Belgique, ils nous ont tourné les dos. Et aujourd'hui, c'est une manière de dire aux Congolais, nous sommes seuls contre tous. Nous n'avons pas quelqu'un, nous n'avons pas d'amis. Alors regardons-nous et faisons les choses pour notre pays. Lèvons-nous comme un seul homme. Aujourd'hui, arrêtons avec tout ce qui est le pour-parti ou le contre-parti. Mettons-nous comme un seul homme. Lèvons-nous pour nous battre. Battons-nous pour notre pays. Et je veux dire à tout le monde aux Congolais, Macron n'est pas bienvenu chez nous aujourd'hui. Macron n'est pas bienvenu. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'est de la République, avec les femmes qui sont dans Kanyaruchina sans rien à manger, qui sont là, les enfants sont en train de mourir affamés, les enfants n'ont rien à mettre sous la dent, les femmes sont en train de mettre au monde, je ne sais pas comment dire, sous des bâches, et des fois même les bâches ça devient un lix, le moustiquaire imprégné. Quel scandale! Et aujourd'hui nous voulons accueillir Macron? Non. Disons non. Je demande à tout le monde de l'aéroport jusqu'au fin fond de Kinshasa que tout le monde jette même de pierres sur Macron. Que même les œufs pourris sur Macron. Il faut l'humilier parce qu'on nous a toujours humiliés. Aujourd'hui, peuple congolais, relevons-nous comme un seul homme. Lumumba est parti, mais nous sommes là. Lumumba est parti, mais la force du Congolais reste. Nous sommes en train de vivre des atrocités. Nous sommes en train de vivre des chômages comme pas possible, mais nous sommes là, on ne meurt pas. Nous ne sommes pas des sanguinaires ni des criminels, mais nous sommes des hommes forts. Alors montrons cette force au président de la France, qu'il voit combien de fois nous sommes unis. Nous sommes unis. Félicitations à l'homme, le musicien, comment il s'appelle, Gims. Gims, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Tu as refusé tout pour le pays, l'honneur du peuple. Nous sommes fiers de toi. Et nous mettons en garde, Fally. Mon frère, la musique va passer, le spectacle de connaissances de Macron vont passer, mais ton pays, ta patrie, ta mère patrie, le Congo a besoin des hommes, le Congo a besoin des gens qui tiennent malgré la famine, malgré les situations difficiles, nous allons tenir fort, et nous savons Pamoja nous vaincrons, Goma, nous vaincrons. Macron, assassin. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est de faire remarquer que nous ne pouvons pas accepter et le laisser venir ici tranquillement, hypocritement, alors qu'on sait très bien que lui, c'est pas seulement que, si vous voulez, qu'il n'est pas notre ami ou qu'il ne nous soutient pas, ou qu'il a une joute verbale vraiment très mesurée par rapport à la crise congolaise, c'est que la France est financière. Financier de la crise congolaise. La France tire des profits exorbitants de l'exploitation des minerais congolais. Et ça, il faut que tous les Congolais le sachent. Il faut que les Congolais l'intègrent pour se rendre compte que non, nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur tout ce qu'on va pouvoir créer comme solidarité avec les autres peuples africains qui sont également sous le joug de toutes ces puissances coloniales qui sont toujours en train d'opérer sur le continent, qui se font la guerre pour nos richesses. Des richesses dont nous ne gagnons rien du tout. Quand il s'agit de voter la traçabilité des minerais à l'Union européenne, il y a combien de personnes, combien de Français, combien d'Européens qui votent pour la traçabilité des minerais congolais? Il n'y en a pas beaucoup.
Et vous savez pourquoi? Parce que si on remonte les traces, on se rend compte que ces gens-là sont derrière, à travers des grandes entreprises qui les financent, qui financent leurs médias, qui financent strictement tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous de faire comprendre que nous sommes un peuple autodéterminé en ce qui concerne la base citoyenne. De plus en plus de personnes sont conscientes, de plus en plus de personnes se rendent compte de cette arnaque qu'on est en train de nous faire vivre ici et se rendent compte que toutes ces puissances étrangères, dont la France, qui est un grand chef d'orchestre du chaos congolais. Et donc, nous tous, nous sommes dans un élan de dire que cette visite, effectivement, n'est pas la bienvenue. Pourquoi ne pas l'attendre ici et le dire en face? Alors, mon frère, tu penses bien que le jour où il arrive, tout risque d'être fermé. On n'aura absolument pas d'espace d'expression. Donc, toute cette semaine, nous réalisons des actions. Nous avons commencé déjà hier, avant-hier, faisons des sensibilisations. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nos frères et sœurs, notamment Kinois, sont tellement préoccupés par le fait qu'ils manquent de tout, qu'ils vivent une injustice sociale, qu'ils n'ont pas à bouffer, qu'ils doivent choisir lequel de leurs enfants va manger aujourd'hui pour leur seul repas quotidien, qu'ils ne se rendent pas compte de toutes les situations stratégiques, géopolitiques et géoéconomiques. Et donc, c'est très problématique parce que vous avez une population pour beaucoup qui est amorphe et qui ne comprend pas. Et c'est pour ça que les actions de la société civile et les militants des mouvements citoyens ont un rôle très important à jouer de sensibilisation et de faire comprendre aux gens que nous ne pouvons pas, comme ça, sortir des drapeaux, être contents de tous ces représentants des puissances étrangères qui viennent, alors qu'ils viennent pour une raison, pour leurs intérêts financiers. Ils viennent parce qu'ils aimeraient ouvrir davantage de leurs entreprises. Ils viennent parce qu'ils veulent ouvrir davantage de leurs usines. Et sachez que quand le Rwanda, qui est un pays qui vit à majorité des aides humanitaires et des aides étrangères, quand un Rwanda se permet de financer le M23 avec un arsenal qui est encore plus puissant que, bien sûr, nos FRPC, ça c'est pas difficile, mais même que les forces des Nations Unies, ça montre bien que, vous voyez, qu'il y a un financement qui vient de beaucoup plus loin. Ça ne peut pas être seulement le Rwanda qui finance ça. Et donc c'est ce qu'on voudrait adresser comme message. La population congolaise, les frères, les sœurs Bandeko, ma maman, ma papa, s'il vous plaît, vous allez concentrer. Sur la Nakeba, pour comprendre l'autre moko autre, sur le Banamboka Nabiso. Macron est sa président français. Congo est un pays moko au écoute dans la francophonie depuis très longtemps. Congo est un pays où est-ce qui colonisé dans la Belge. Belge va faire partie de l'Union européenne. Mais dès que la crise est à mon dos, les autres là, les autres les calélo, il y a Mindou qui est dans l'Est, il y a Cœur dans l'Est. Les lots Macron, ils ont plaidé plus pour le Rwanda, pour que le Rwanda va faire un bon bongo, pour que le Rwanda va faire un bon bongo. Il y a un bon bongo, il y a un bon. Parce qu'il faut que le bon bongo, il y a un Ndoki na biso azanani la situation ya lelo fo boyeba ke Macron aza muninga la biso te na Congo to lobaka na kisasa soko moni ndoki belela biso lelo to belela ke ndoki na biso eza Macron apesi asali plaidoirie na Union européenne va débloquer 22 millions de dollars pour na Rwanda. Alors la prochaine étape ya koloba na ba peuple congolais. Toyebi que toza na nzala, toyebi toza na ba situation difficile, mais mutoko sili sa problème na biso azalité. Mutoko sili sa problème na biso eza biso moko. Eza biso moko. Alors mutu na mutu to telema lokola mutu moko. Pays oyo mboka oyo lumumba tike la biso. To sangana lokola mutu moko. Bosi. Macron, assassin,
assassin, Macron, 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 assassin. Monsieur Macron, tu n'as pas le droit de mettre ton pied, tes sales pieds ici dans notre sol congolais. Nous sommes des panafricains. Nous ne voulons pas d'être fous ici dans notre sol congolais. Déguerpissé. Hein? Nous ne voulons pas de toi ici, monsieur. Nous ne voulons pas des Français ici. On lance un message fort à tous les Français qui vivent ici, dans notre sol congolais. Lorsque vous venez ici, il faut aussi regarder les Français qui vivent ici. Hein? Ils auront mal. Ils seront mal devant nous, les panafricains. Merci. Macron, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin. On veut pas de Macron, assassin. La France vient de lever 22 millions à l'armée rwandaise. Et Macron vient de mettre 20 millions aux Français. Macron n'est pas le bienvenu. On veut pas de toi ici. Macron n'est pas le bienvenu chez nous. On veut pas de l'Amérique. On veut pas de l'Afrique. On aime seulement l'Afrique. Qui ne vienne pas. Qui ne vienne pas. À bas l'impérialisme. Oui. À bas l'impérialisme. Oui. À bas la France. Oui. À bas la Russie. Oui. On veut pas de tous ces gens-là. Oui. On aime seulement l'Afrique. On défend nos frères africains. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ah oui. Nous allons nous libérer seuls. Ah oui. On va libérer notre pays nous avec nos forces d'essai, avec nos policiers. On va ni de la France ici. Ni de la France, ni d'aucun autre pouvoir impérialiste au Congo. Nous n'aimons pas. Qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne viennent pas. Nous sommes en solidarité avec nos frères Burkinabé et nos frères Guinéens. Nous disons très clairement que comme au Sahel, Macron, avec sa France, soutient le terrorisme. Et nous le disons qu'il le fait aussi ici, en RDC, en finançant, parce que c'est la France qui a fait le plaidoyer au sein de l'Union Européenne pour que cette dernière finance à plus de 20 millions de dollars l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui nous tue, l'armée rwandaise qui nous pille, l'armée rwandaise qui nous dépouille. Et nous disons qu'il n'est pas le bienvenu en RDC, qu'il reste chez lui, parce que ici, à la terre de Lumumba, nous n'avons pas besoin des néocolons, des néocolonialistes. Nous voulons qu'il y ait une autodétermination et nous disons aussi que nous nous dissocions de tous ces mouvements pro-russes. Nous ne sommes pas là pour le russe, nous sommes là pour des Congolais et par des Congolais. Nous sommes financés par personne. Et le mot est clair, nous le disons avec clarté, que nous sommes des Africains capables de pouvoir nous autodéterminer. Nous le disons avec clarté. Nous ne sommes pas les Russes, nous sommes avec les Russes. Les Russes n'ont pas les moyens pour soutenir les Africains. Les Russes n'ont pas les moyens pour dire aux Africains d'être dignes et d'être fiers. Nous les faisons avec nos propres moyens et nous le faisons avec libération, avec notre autodétermination. Macron, ne viens pas, n'ose pas de venir ici. Hein. Tu sais les cailloux, les mabanga.
On va te frapper, ça tu vas comprendre. Comment les Congolais nous frappent? On n'a pas besoin de lui ici. Ils viennent voler ici. Le Congo est riche, la France est pauvre. Ils parlent, on n'a pas besoin de ça. Ils soutiennent Kagame, on n'a pas besoin de ça. Oh!
la mort. Béni jusqu'à la mort. Béni jusqu'à la mort. Restera comme eux jusqu'à la mort. Vivre mort. Irungu jusqu'à la mort. Irungu jusqu'à la mort. Ça fait longtemps Occident a mené politique à diviser pour mieux régner. À l'époque, les arrêts qui ont monté dans le monde, ma belle Tibisson a massacré les Congolais, soldats, jeunes, étudiants, mamans. Ils sont en comprendre que, on a Congo, les arrêts sont comme moi. Il n'est pas le bienvenu dans le Congo. Tous les Congolais, papa, ils arrivaient à Macron. Ah, Togo, ils sont tristes. Ayate, Togo. Les lots, couche mieux sur le Congo, va comprendre que l'opposition, il n'y en a pas de. Soyez le bienvenu, M. Poutine.
Jamais divisé. Nous sommes réunis ici en ce jour pour boycotter l'arrivée de M. Emmanuel Macron. Par rapport à l'événement, nous sommes entrés
de faire un sit-in aujourd'hui devant le siège de la France. C'est pour dire que par rapport à tout ce que Macron fait pour nettoyer, pour s'excuser au génocide qu'il a commis au Rwanda, et il veut réparer ça par les massacres de l'enfer à l'Est, nous ne voulons pas sa présence chez nous. Parce qu'il est le financier numéro un de la mer rwandaise qui est en train de faire les massacres à l'Est du pays. Aujourd'hui, ils sont jusqu'à Rubaya et c'est grâce au financement français. On ne veut pas une visite des hypocrites. Les hypocrites sont en train de venir chez nous et on ne veut pas la présence de Macron parce qu'il est en train de tuer nos frères à l'Est à travers Kagame. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes ici, à la on ne veut pas la présence de ces criminels de Macron ici et que le peuple congolais s'élève pour dire non, pour jeter des sorts à ces criminels de Macron. On va lui jeter des œufs pourris, on va lui jeter tout ce qui manifeste le mépris pour dire qu'il n'est pas le bienvenu chez nous et que les Congolais ne sont pas dupes. Le sang de nos frères coule à l'Est et qu'il doit comprendre que l'Est n'est pas 2000 km. Nous sommes avec nos frères de l'Est et nous devons nous battre pour que la paix revienne chez nous et que les pays qui convoitent notre pays doivent cesser. Aujourd'hui, la lutte pour le Congo, ça doit être la lutte pour toute l'Afrique parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique et tout ce qu'ils font les Occidentaux pour mettre à mal notre continent, c'est à travers le Congo parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Et une fois le cœur est à mal, c'est toute l'Afrique qui... Assassin, complice, assassin, complice, 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 on en a marre.